Alors comme ça, tu es arrivé en retard au boulot hier. Oui, encore une fois, c'est à cause des moyens de transport. C'est toujours à cause des moyens de transport. Tu sais, si ça continue, au bout d'un moment, les employeurs ne vont peut-être plus le tolérer. Je sais, mais j'y peux rien. Et puis, bon, le pire qu'ils pourraient me faire, c'est me virer, non? Je ferais attention si j'étais toi. Nous sommes maintenant dans une dictature conservatrice qui ne laisse place à aucune erreur. Qui sait ce qu'ils pourraient te faire? Et toi alors, hein? Tu n'es pas en reste, hein? Cela fait maintenant trois fois qu'on t'a surpris en train de batifoler avec ta supérieure. C'est du sérieux, non? Je n'ai d'ailleurs plus de nouvelles. Je me demande où elle est passée. Et de toute manière, cette entreprise, c'est qu'un ramassis d'ordures, là. T'es con ou quoi? Tiens-toi sur le texte, bordel. Je voulais dire, tu sais, nous sommes chanceux de travailler dans cette entreprise. Elle apporte tellement de bonheur à notre société. Je sais, nous devons apprendre de nos échecs et en assumer les conséquences. De toute manière... Si nous ne sommes plus là, quelqu'un nous remplacera. Je suis désolé de t'avoir embarqué là-dedans. Mais c'est pas grave, mais c'est aussi en partie de ma faute, t'inquiète. Qu'ils aillent tous se faire foutre!